Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser mon premier art journal XL. Pour cela, comme vous voyez, j'ai pris un bloc d'aquarelle parce que bon, le papier est assez épais et absorbant et comme je vais mettre beaucoup de matière pour ce thème-là, donc voilà, c'était le papier idéal pour ça. Alors, comme d'habitude, je prépare ma surface en l'enduisant avec du gesso blanc. J'ai choisi comme thème général pour cet art journal la femme. Alors, je prépare la surface avec des couleurs plus ou moins pastel. Après avoir sélectionné quelques papiers motifs que j'ai achetés de chez Emma, justement, pour trois fois rien. Donc voilà, je les coupe en bandelettes et je vais les coller sur le fond. Et pour les coller, j'utilise du gel médium mat. Alors avec mon pochoir, je vais enrichir mon fond avec des motifs. Donc je vais tamponner avec une mousse, imbibé dans de l'encre Easy-Ink Topaz. Donc je fais pareil pour le bas, j'enrichis mon fond, mais cette fois-ci ce serait avec le tampon applicateur mousse imbibé dans de l'encre Distress, la couleur olive. Après avoir sélectionné mon modèle et l'avoir découpé, je le colle avec du gel médium mat. Et avec de la peinture acrylique, j'essaye un petit peu d'enrichir mon modèle avec des motifs, de l'habiller, de lui ajouter des fleurs. Alors en me basant sur la silhouette de mon modèle, je vais le recouvrir de peinture et le repeindre pour créer mon personnage à moi et voilà, et ajouter de la couleur.
Alors avec mon tampon clear sur lequel je mets de l'encre noire, j'ai voulu enrichir un petit peu le fond. Et là, c'est toujours de la peinture acrylique blanche. Alors le thème principal est la femme, mais je me suis basée plus ou moins sur le côté un peu oriental, un peu folklorique, et donner un peu de poésie dans tout ce qui est narration des mille et une nuits. C'est pour ça aussi que j'ai mis un peu d'écriture sur le fond, pour accentuer ce côté-là, et des motifs d'arabesque, etc. Donc un peu de fantaisie. Juste pour ce petit détail, les feutres que j'utilise, ce sont des simples feutres, ce ne sont pas des feutres de grande marque. Là par contre, ce sont des postcards. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo du premier Art Journal XL. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un pouce ou abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.